Le rectangle d'or. De quoi il s'agit? On va construire d'abord un carré ADEF. ADEF. Le côté petit L, soit 5 cm. Bien. Placez le milieu G du segment DE. G. Tracez un cercle de centre G, passant par F. Autrement dit, GF, c'est son rayon. Cet arc de cercle va être comme ça. Va couper la demi-droite DE au point C. On va terminer la construction afin que ABCD soit un rectangle. Donc on prolonge AF, on trace la perpendiculaire ACD passant par C, et le point ici, il est bien sûr le point B. ABCD, rectangle. Premier point, utilisez le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle GEF, celui-ci, GEF, pour établir que GF soit égal à racine de 5 sur 2. Théorème de Pythagore dans ce triangle. Comment calculer GF? GF au carré. GF au carré est égal à EF au carré, c'est-à-dire 5 au carré, plus GE au carré. GE étant la moitié de 5. 5 sur 2 au carré. Ce qui donne 25 plus 25 sur 4. Égal, même dénominateur, 25 fois 4, 100, plus 25, 125 sur 4. Du coup, on trouve que GF est égal racine de 125 sur 4, c'est-à-dire racine de 125 sur racine de 4, autrement dit 2, et racine de 125, tout le monde sait que c'est égal à 5 racine de 5 sur 2. Donc GF, on vient d'obtenir, égale 5 racine de 5 sur 2 cm, évidemment. Bien, on vient de trouver GF égale 5 racine de 5 sur 2 cm. Calculons la longueur exacte, L majuscule, du rectangle ABCD. Combien elle fait? Autrement dit, AB égale bien sûr à CD égale combien? Comme GF est égal à GC, GF égale à GC, je rappelle, centre G, GF égale GC, deux rayons du cercle de centre G et deux rayons GF égale GC. GF égale GC égale évidemment 5 racine de 5 sur 2. DG, c'est la moitié de DE par hypothèse. Donc 5 demi. On divise 5 côté du carré par 2. Alors bien sûr, AB ou CD, prenons CD, est égal à DG plus GC qui est égal 5 demi plus 5 racine de 5 sur 2. Une factorisation sympa et même dénominateur, ça nous donne 5 facteur de 1 plus racine de 5. Et on a trouvé la longueur du rectangle ABCD. Et finalement, on va calculer le rapport entre longueur et largeur de ce rectangle. La longueur, on vient de la calculer. La largeur était donnée.
Divisons donc 5 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2. Divisons par 5. Ce qui donne évidemment 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, est-ce que vous reconnaissez de quoi il s'agit ici? Est-ce que 1 plus racine de 5 sur 2, ça vous dit quelque chose? Eh bien, 1 plus racine de 5 sur 2, c'est le fameux nombre d'or. Et il paraît que le rectangle qui respecte cette proportion, ce rectangle dont la longueur sur la largeur fait environ ou très proche de ce nombre, qui ça fait environ 1,6 et des poussières, ces rectangles sont plus plaisants à la vue. Regardez bien, est-ce que c'est plus plaisant ce rectangle que d'autres? Des goûts et des couleurs, comme vous savez, on n'en parle pas. Parmi les milliers de documents, livres, articles, etc., sur le nombre d'or, il y a un petit livre dans la collection Point, Le nombre d'or, radiographie d'un mythe, suivi de la divine proportion. Ce livre peut vous donner une idée bien plus complète et très intéressante sur le nombre d'or. Une histoire millénaire.